Et salut, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, une vidéo pour une course open. Ça fait un moment que je n'en ai pas fait, donc sur Assetto Corsa Competition. Donc c'est chez Exhype, c'est des open qu'ils font tous les lundis soirs. Donc par contre, pour s'enregistrer, pour participer, il faut le faire depuis Facebook. Je vous mettrai les liens de toute façon dans la description, comme d'habitude, que ce soit du site ou alors de la page Facebook pour s'inscrire. C'est la troisième fois, je crois, de tête que je fais des cours chez eux. Aujourd'hui, je n'ai pas à me plaindre. C'est-à-dire que bonne ambiance. Il y a pas mal de monde. On fait des grilles de plus de 20 pilotes à chaque fois. J'ai pas eu trop de problèmes. Donc, c'est fair play. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a un briefing d'avant-course. Il y a un débrief à la fin. Donc, voilà, c'est assez rapide. C'est-à-dire qu'il y a 15 minutes de qualif et 45 minutes de course. Donc, là, aujourd'hui, c'était sur, comme vous avez vu, sur la vignette sur le circuit de Monza avec la Nismo GTR GT3, je vais y arriver. Que vous dire de plus? J'ai fait un petit setup en général. Quand je fais des open maintenant, je m'embête pas trop. C'est-à-dire que je fais 10 tours à peu près dans la semaine pour dire de faire un minimum de setup et voir la consommation du carburant. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait besoin entre guillemets pour. C'est un open, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas faire 600 tours sur un open. Enfin, ça, c'est ma vision des choses. Après, un open reste en fait ouvert à tout le monde, donc il n'y a pas d'assurance on va dire de gentleman driver. Il peut y avoir des débutants. C'est pas péjoratif ce que je dis, hein. C'est un fait avéré, c'est que tout le monde n'a pas l'habitude de rouler sur des championnats ou des choses comme ça. Donc là, il est possible qu'il y ait des débutants. Donc voilà, l'open fait que je ne m'y attarde pas plus que ça dans l'entraînement. Contrairement à un championnat où je vais passer un peu plus de temps. Bref, je ne vais pas vous embêter plus que ça avec ma façon de me préparer pour les courses. Donc on va partir pour les 45 minutes. Ce que je vais faire, c'est que bien évidemment, je vais vous couper la course au moment où c'est le moins intéressant. C'est pour ça qu'elle ne durera pas 45 minutes. Et puis, que vous dire de plus? N'hésitez pas à aller faire un tour chez eux. Franchement, si vous avez Facebook pour vous inscrire, c'est intéressant. Vous mettez juste votre Steam ID, votre pseudo Steam plutôt, pour vous inscrire. C'est validé. Vous lisez le règlement et puis rien de plus. Franchement, c'est simple. Et bon esprit. Donc voilà, je vous laisse avec cette course qui s'est, on va dire, bien passée dans l'ensemble. J'ai pas à me plaindre. Et puis on se dit à une prochaine. Tchuss! Et salut, on est parti pour un petit open sur Exype.be. C'est la troisième course que je fais chez eux. Donc c'est le lundi soir en open. Donc c'est très sympathique. Les grilles bien remplies. Pour l'instant, mais pas de souci de fair play. Donc. Malgré le fait que ce soit un open, donc on est parti pour 45 minutes sur Monza. Je suis troisième, provisoire bien évidemment, c'est le départ suite au qualif. Allez, le départ lancé. On est du bon côté de la piste, ça c'est une bonne chose. Elle me dit de ralentir, un petit peu trop vite. On va essayer de pas foirer son départ. Il y a du monde, on est 23, il y a du monde derrière. S'il vous plaît, messieurs, ça a été dit lors du briefing. Un départ moyen. On va protéger sa place ici. Ah, il y en a toujours qui veulent faire différemment. Voilà, magnifique. Il est arrivé comme une balle. Oh, je crois qu'il y a eu du grabuge derrière.
dans l'affaire, on a perdu une place, quatrième. Pas bien grave, il y a 45 minutes. Ah, je sais pas ce qui se passe devant déjà. Problème matériel certainement. Allez, fin du premier tour, on va essayer de choper la spi. Derrière, c'est à 2 secondes 5 simplement. Donc j'ai fait un petit setup vite fait il y a de ça, allez, on va dire 2 jours, en faisant allez, on va dire une petite dizaine de tours de practice. Oula, il y va. Ah, et ce virage là que j'aime pas du tout. On est bien placé. Alors, c'est un peu chiant pour les repères de freinage. On élargit. Moi, je retrouve un petit peu quand même de plaisir à rouler sur ACC, hein. Comme je vous l'ai dit, en ayant changé de carte graphique, en poussant les réglages assez haut. Allez, reste ici que je te prends la spi. On va se montrer ici. Il élargit. Hein. Ah, je suis là. Alors, il sait ce pas faire, c'est bien. Le but, ça va être d'essayer de le pousser à la faute, sans moi m'y foutre. N'est pas trop perdre de temps, parce que derrière, ça va revenir aussi. Donc voilà, faut trouver le bon compromis. Et puis devant, le premier, il est parti. Allez, si je ferais bien là-bas, si je le prends bien. Je me méfie de son freinage. Là, je suis encore plus loin que le tour précédent, donc compliqué. J'ai quand même mis un peu de TC, un peu de traction control pour assurer le coup. Il a dû mettre un peu d'appui, je sais pas.
Ouais, je suis à l'intérieur cette fois-ci. Je l'aime pas celui-là, je l'aime pas. Alors des fois le fait d'être un peu plus loin, pardon, c'est peut-être pas plus mal. Moi oh, j'aime pas non plus ça. Ouais là je suis pas trop mal. La distance elle est pas mauvaise. Que je laisse trop d'espace non plus. Mais au moins là j'ai la liberté pour le freinage. Je vois que j'ai un rythme un peu plus rapide que lui. Ça joue pas beaucoup. Ça va jouer à l'erreur, à la prise de risque. Autant vous dire, il reste 36 minutes à prise de risque, ce sera pas tout de suite. Allez, derrière 5 secondes 5. Ouais, il a repris un peu d'assurance. Freiner un peu tard. Pourtant, je suis un freine tôt. Allez, on est revenu dans ces échappements. Il lâche pas, hein. Il tient bien la pression. Ah, ce son, mais tu te crois vraiment dans la bagnole, hein. C'est hallucinant. Un peu de temps là.
toujours une demi-seconde. Ah, il est un petit peu moins bien sorti. Parce que je vais m'approcher là-bas. Un peu loin. En fait, il a moins peur que moi. Je sais pas comment dire. De toute façon, quand on voit le départ qu'il a pris. J'aurais jamais pris un départ comme ça. Après, j'ai pas vu hein, depuis sa caméra, depuis sa voiture. Peut-être qu'il avait le champ libre. J'en ai vu un arriver à droite dans mes rétros. J'ai dû me serrer un petit peu, sinon il passait je sais pas où. C'est un peu loupé là. Je vais pouvoir attaquer. Allez, maintenant c'est à toi. Pas d'erreur. J'ai déjà failli. Comme là, là il faut oser, il y est allé. Après, s'il prend ses distances, il n'y a aucun souci. Ça reste une course. Hein. Il a dû freiner un peu plus fort, donc du coup il est quasiment à 2 secondes. À moi de m'échapper. Encore 2-3 tours à tenir. Dès que tu lèves un peu le rythme, c'est bon, mais... Drapeau bleu, je suis peut-être encore un peu loin. J'espère qu'il va pas me gêner pour le freinage. S'il te plaît. Car on the left.
putain, je suis arrivé au mauvais moment sur lui. Putain, ils sont à 2 secondes maintenant. Bah oui, hein. Une seconde 6, toi. Deux secondes. Quand même sauver ma place sur le podium, merde. C'est quoi, dernier tour? Non, il en reste un après, donc ça fait deux. Là, ils sont en bagarre, c'est peut-être bon pour moi. Là, c'est écrit Final Lap sur mon tableau de bord. Je vous cache pas que ça me ferait plaisir. Ouais, c'est bon, c'est la fin du de la course, dernier tour, P2, franchement. Yes, deuxième. Bon, le premier est loin. Hein. Troisième, c'est qui? Duterne ou Jo? Je sais pas. En tout cas, c'était une superbe course. Alors, peut-être un peu ennuyante à suivre si jamais je vous mets la version complète. Mais en tout cas, à rouler. Excellent. Du coup, bah, je vais aller voir tout de suite le débrief.